Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Bon dimanche chez vous. Que le Seigneur vous comble de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, dont l'essence retrouve l'épouse de Christ, l'épouse parole de Jésus. Voilà, nous sommes dans la joie de venir commémorer ces grands jours. Il nous a fait sortir du séjour des morts pour que nous puissions chercher à être des panneaux publicitaires pour lui dans ce monde de perdu, dans ce monde où les choses, tous les systèmes de ce monde ont égaré les humains, ont amené le monde dans l'état dans lesquels que ce monde ne peut que, je ne sais même pas comment je peux dire, demeurer comme ça jusqu'à ce que la volonté du Seigneur, ça s'accomplira. Mais Dieu est Dieu. Depuis les temps anciens, nous avons remarqué que non, tous les hommes qui se sont humiliés devant le Seigneur, et il cherche sa volonté, le Seigneur ne manque pas, n'hésite pas de venir et de relever ces gens-là, peut-être des mots qui les a frappés, afin qu'ils puissent commencer à le louer, à lui adorer, à lui rendre gloire. Vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour parler de ces choses, parce que nous voyons que l'Église aujourd'hui est devenue un endroit de vautours, comme nous avons parlé autrefois de ce qui s'était passé au stade. Mais avant que nous puissions parler de ces choses-là, parce que souvenez-vous, le sujet dans lequel que nous sommes en train de parler, c'est toujours sur le quitte des hommes, l'adoration des créatures au lieu du Créateur lui-même. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses qui ont suscité la colère de l'Éternel depuis des temps anciens. Alors, pour éviter la colère du Dieu vivant, nous devons mettre nos vies en ordre vis-à-vis de sa volonté parfaite de l'heure. Parce qu'il nous a envoyé Élie les prophètes. C'est pourquoi vous voyez que nous parlons de droit d'aînesse, de ne pas vendre votre droit d'aînesse. Peut-être que vous l'avez déjà vendu. Vous ne tenez pas compte que j'ai déjà vendu mon droit d'aînesse. C'est pourquoi nous sommes venus parler de ça ici. Enfin, que ceux qui vont reconnaître ou soit tenir compte ou prendre conscience qu'ils ont vendu leur droit d'aînesse, qu'ils puissent revenir à genoux devant le Seigneur et se repentir et prendre position à la parole. Vous comprenez? Et parler de la religion jézabélite. Je ne sais pas si on va tout terminer aujourd'hui à cause du temps. On va continuer ça le dimanche prochain. Tout ça, c'est ce que nous avons commencé le dimanche passé sur l'idolâtrie des hommes et mélanger Dieu avec le diable, Satan, avec Maman, comme le Seigneur Jésus l'appelait. Mais avant que nous puissions aller là-bas, de lire les Écritures, je voulais faire un petit rappel sur ce qui, bien aimé, une sœur qui ne comprenait pas sur ce qui va, comment est-ce que les choses vont se dérouler, quand on parlait sur l'enlèvement. Oui. Donc là, je vais expliquer un peu, donc, un peu de lingala, un peu de français. Vous autres, peut-être d'autres pays, essayez un peu de me comprendre. Je m'excuse pour vous qui êtes au Cameroun, Côte d'Ivoire et d'autres pays, Gabon, Congo-Brazzaville. D'abord, Congo-Brazzaville, où nous sommes frères, où nous parlons lingala ensemble, même ceux qui sont en Angola. Voilà. Donc, ici, tu sais que nous avons parlé sur les trois types de l'enlèvement. Et nous avons étalé les trois types de l'enlèvement. Sur ce que la sœur demandait, elle ne comprenait pas si ce qui va s'arriver quand on parlait de la première mort et de la seconde mort et de la tribulation. Vous comprenez? Donc cela veut dire que les Écritures sont claires parce que le Seigneur avait dit que non, ceux qui sont à lui. Nous avons lu ça dans le livre des Romains ici. Ils sont passés de la mort à la vie. Vous comprenez, ce sont ceux-là dont le Seigneur disait que non, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
ceux qui sont morts et nés dans la parole. C'est pourquoi nous avons cité les saints de Dieu qui ont prêché cette parole ici en esprit et en vérité sans faire la compromis. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà morts de la popularité, du succès, de quoi? Des désirs de ce monde, du corps et tout. Ils n'ont pas voulu faire la compromis, c'est des choses que nous allons parler maintenant ici, ni faire la politique. Ils ont servi que l'éternel Dieu. Vous comprenez? Et nous avons vu que ces gens-là, ils étaient déjà morts en Christ, comme nous avons donné l'exemple du Jourdain de la mort. Vous voyez? Que l'Israël, avant de posséder le pays de la promesse, il fallait qu'il puisse mourir. Vous voyez? Donc, et ils sont morts là-bas, à Kadesh Barnea, c'est cet endroit-là qu'ils se sont préparés afin de passer les Jourdains. Et quand ils ont passé les Jourdains de la mort, on va illustrer ce qui s'était passé là-bas avant qu'ils puissent traverser. À cause du temps, on va illustrer ça en détail prochaine fois. Vous allez comprendre que non, cela veut dire quand vous mourrez en Christ, vous mourrez de toutes les choses de ce monde ici, vous naissez en Christ, vous répétez une nouvelle naissance. Vous comprenez? Donc cela veut dire la mort physique n'a aucun impact sur vous. Donc dès que vous mourrez aujourd'hui, donc c'est juste comme un déplacement, c'est comme quelqu'un qui ouvre le rideau du temps. Ça veut dire du temps. 9h, 10h, ça s'arrête pour lui. Et maintenant, il entre dans l'éternité juste après ce rideau-là. Vous comprenez? C'est pourquoi quand le Seigneur, nous avons donné les Écritures dans Matthieu 27, si vous pouvez lire dans verset 51 là-bas, on peut commencer dans verset 48 jusqu'au verset 53. Mais dans verset 51, qu'on est en train de parler ici, quand Jésus-Christ, notre Seigneur, était mort. La Bible dit qu'il y avait un tremblement de terre. Ouais. Donc, cela veut dire le sépulcre s'ouvrit et le corps des saints qui étaient là-bas, ils étaient revenus. Alors que eux, ils vivaient avec des sacrifices perpétuels. Qu'ils étaient quoi? Qu'ils étaient des animaux qu'ils utilisaient. Mais quand le Seigneur était venu, comme ils n'avaient pas fait la compromis avec la parole, ils devaient sortir. Ils ont venu, ils ont pris leur corps là-bas, ils se sont apparus à la résurrection du roi Jésus. Quand le Seigneur était ressuscité, et les gens les ont vus, les gens les ont vus dans la ville, les gens les ont vus dans la chair. Donc, en allant à l'église, comme le Seigneur a déjà payé les prix, a déchiré les rideaux du temple, les remarqués du haut en bas, cela veut dire venant du Seigneur Dieu en bas. Et nous avons vu que non, en ce temps ici, il a dit que tous ceux qui sont en lui, il n'y a plus de condamnation pour eux, parce qu'ils sont passés. Vous comprenez? Donc, de la mort à la vie, ce sont des gens qui sont nés de lui, la parole. Vous comprenez, son nom est la parole, comme le livre d'Apocalypse chapitre 12 nous dit là-bas. Vous comprenez? Alors, nous avons vu que ces gens-là, qui sont l'Église, épousent cette race des élus. Remarquez ces jours-là, dans Matthieu 27, verset 51, il y avait plusieurs corps qui dormaient dans des sépulcres là-bas, dans des tombes. Là, à Jérusalem. Mais c'était simplement la race de Élus qu'ils étaient sortis, deux Élus. D'Abraham, vous comprenez? Adam, ouais, jusqu'à Jean-Baptiste, c'était ce race-là qui ont servi le Seigneur sans compromis ni rien de semblable, qui n'ont pas ajouté ni retranché. C'est le système que le diable a amené depuis le jardin d'Éden et aujourd'hui, cela s'est arrivé à son achèvement, à son aboutissement. Vous voyez? Donc, voilà la raison pour laquelle, que non, l'épouse du Christ ne passera pas à la tribulation. La tribulation n'a rien à voir pour lui. Donc, ça veut dire, comme on a dit, par la seconde étape, le second type de l'enlèvement, que quand un saint meurt, le rideau s'ouvre, donc ça veut dire le temps, ça s'arrête pour lui, il entre dans l'éternité sans pour autant aller dans les séjours. Alors que les séjours des morts dépendent du temps. L'enfer, c'est un élément temps. Vous comprenez?
Donc, ça se trouve dans une dimension, et cette dimension-là, c'est une dimension du temps. Vous voyez? Donc, du première au cinquième dimension, ça dépend du temps. Sauf du sixième au septième, là, ça ne dépend pas du temps. Vous comprenez là-bas? Donc, pourquoi? C'est sixième, c'est le repos des saints, de tous ceux qui meurent en Christ. Le septième, comprenez déjà, c'est le ciel de cieux. Vous voyez? Donc, le trône de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Ouais, donc, c'est ce qui fait en sorte que non, la seconde mort pourrait, comme Apocalypse chapitre 20 le disait, n'aura aucun effet sur eux parce qu'ils étaient déjà morts. Ouais, et la mort physique pourrait, c'était comme un transport, quelque chose qui vous transporte, ouais, comme un rideau, ouais, donc comme un avion, ainsi de suite. Oui, donc c'est juste ça. Ouais, pour essayer un peu d'éclaircir à ce point-là, pour que les bien-aimés qui se posaient des questions sur ce point-là, c'est pourquoi nous sommes censés de chercher à tout prix de nous repentir, ouais, conformément à la manière dont nous avons cru. Dire au Seigneur, nous avons mal cru. Les doctrines nous ont aveuglés. Ouais, les doctrines ecclésiastiques nous ont aveuglés de dire, moi je suis deux. Nous, nous sommes deux. Vous, vous êtes deux. Moi, je suis catholique. L'autre est là, moi je suis ici, moi je suis des tabernacles une telle, vous êtes des tabernacles une telle, vous êtes du côté de Kananga, nous sommes du côté de Matadi, l'autre là disent que nous sommes de Mbanza Congo et les autres nous sommes de Kentucky, et ainsi tout ça, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Donc cela veut dire, ce qui est très très important pour nous, c'est d'essayer de quitter tous ces coins-là, parce que ça a été fait des hommes. Ouais? Pour nous retrouver quelque part où on adore Dieu en esprit en vérité, pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. C'est ce même langage. Pourquoi? Parce que nous aurons une même foi qui est sortie d'Élie les prophètes. Ouais. Donc le vrai, le seul ange que l'Éternel a envoyé pour révéler ces mystères dont nous avons cité ici le dimanche précédent. Ouais. Et c'est par là que vous allez entrer dans la processus, le processus, oui, de quoi? Des trois étapes de la grâce. Ouais? La justification, la sanctification, la mort en soi-même et la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous recevez Christ Jésus, lui, le Saint-Esprit en vous. Vous avez rejeté l'image animale. Quand vous êtes encore dans la sanctification, ce n'est pas encore. Parce que nous avons vu beaucoup de gens, nous avons parlé de ça ici, qui se sont sanctifiés, mais ils ont fait la compromis avec la parole. Complètement, et ils amènent les gens toujours dans des réveils. Alors que nous ne vivons plus le temps de chercher les réveils, mais de chercher la volonté parfaite de Dieu, afin de posséder Dieu en vous, afin que nous puissions être capables, comme le Seigneur avait dit. Si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Comment chercher à dire aux gens de venir, de gêner, de faire ceci dans un pays où vous devez d'abord arranger les choses, vous voyez que non, les choses marchent mal avec des ministres. C'est pourquoi nous sommes venus parler ici des choses qui se passent. Pourquoi est-ce que toutes ces choses-là ont eu lieu? C'est à cause des ministres. Des ministres des églises et des ministres des gouvernements. Ce sont eux qui sont à la base des souffrances des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Ce sont eux qui sont à la base des déplacements des gens qui sont en train de mourir à la Méditerranée là-bas. Ce sont eux qui sont à la base des gens qui sont en train de mourir en quittant le Brésil jusqu'au Mexique pour chercher à entrer aux États-Unis d'Amérique, aller au Canada. Ce sont eux qui sont à la base des morts, des maladies, de la prostitution des filles. Et même, ils utilisent des jeunes filles, prennent des filles de 16 ans, 15 ans, ils sont des vierges. Vous comprenez? Ils tirent toutes les bénédictions dans ces filles-là.
Et toutes ces choses que nous voyons même, c'est ce qui amène la pédophilie qui sont commencées en Europe, aux États-Unis, ils ont introduit ça. Vous comprenez? Mais vous êtes là-bas à acclamer ces mêmes gens-là. Vous êtes là à dire, à chanter pour eux. Vous êtes là à les suivre, à vous tenir debout pour ces mêmes gens. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à naître de la parole. Quand on leur présente les Écritures, non. Nous, dans notre Église, non. Là, toi, tu parles, et tu parles selon la révélation. Toi, tu parles selon spirituellement. Mais moi, je pense ça d'une manière. Donc, Moutamani vous explique que non, Bisson Église, Bisson, comme on parlait hier avec un frère, il m'a parlé que non, bon, au moins, il dit, l'église, mon souci, moi, monsieur, ça appelle ça, culture, hein, l'église, Bisson, il dit, ben, d'abord, il dit, le son, qui est encadré, Bisson, mon souci, à ce moment-là, ma sœur, ma frère, le retour qui est dans la piscine, bon, naïbité, moi, je me pose la question, aller à la piscine, bon, qu'il ne soit au chocolat, oh, mais non. Et bah, combien de sœurs congolaises, bah, zoga, sonne, mais bah, sœurs, moussou, bah, sud-africaines, bah, namibiennes et les autres, bah, dinda, na bango na maï, bah, na bango sokola na ba mayo debe. Posez-vous des questions. C'est ça la cause. Vous comprenez? Qui tue les gens aujourd'hui. Qui fait en sorte que nous voyons toutes ces choses que nous voyons. La cause, ça commence d'abord dans l'église. C'est ce que nous allons parler. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons débuté à parler. Nous allons continuer à parler de ça. Ouais, nous n'allons pas nous arrêter. Nous ne sommes pas là pour faire la compromis avec la parole pour tuer les âmes que Christ Jésus a donné sa vie à la croix pour eux. Jésus est mort à cause de vous, non à cause des anges. Les anges n'ont pas péché. Les anges n'ont pas commis des iniquités ni des transgressions. Les anges ne sont pas nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. Non. Ils n'ont rien à voir avec ça. Christ, Dieu, est venu verser son sang à cause de moi et toi, qui sont nés du mensonge. Par la loi de la représentation depuis Éden. C'est la cause qui a mené Christ de donner sa vie ici pour que nous puissions apprendre. Jeter cet état animal que le diable nous a inculqué, nous a donné, nous a revêtu. Vous comprenez? Par force. Pourquoi? Parce que nos premiers parents lui ont écouté. L'église, la première église, Ève a ouvert sa matrice pour écouter les malins. Au lieu d'écouter l'ainsi dit l'Éternel. À cause de quoi? À cause de tout ce temps qu'elle laissait d'admirer la beauté du serpent. Et le diable observe toujours ce que vous admirez beaucoup. Ce qui attire vos regards, c'est pourquoi Jésus répondait dans Luc aux scribes et aux pharisiens quand il disait que nos seigneurs montrent-nous le royaume. Il a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Et aujourd'hui, vous vous faites borner les gens dans des histoires de réveil avec le don qu'ils font du succès ici prophétique. Alors que nous sommes censés être de 1 Corinthiens chapitre 14, des fils du prophète, comme au temps du prophète Élie et d'Élisée. Les fils du prophète qui connaissaient le déroulement des choses, ils sont venus dire à Élisée que notre maître doit être enlevé, doit être pris aujourd'hui. Il te quittera aujourd'hui. Voilà pourquoi, parce qu'ils marchaient sur les Écritures. Ils n'étaient pas des pauvres, ils n'étaient pas des mendiants. Vous comprenez? Ils vivaient une bonne vie, le fils des prophètes. Voilà les conséquences de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est à cause des ministres. Les ministres qui sont dans des églises, que nous appelons des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des bishops et ainsi de suite. Et les ministres des gouvernements. Vous comprenez? Qui n'aide pas le président de la République. Pas simplement, on parle du président actuel, même le président qui était avant. Même le président qui était avant. Même le président qui était avant. Ils n'y ont pas aidé.
Vous comprenez? Les gens qui étaient avec JKK ne l'ont pas aidé. Les gens qui étaient avec Mouzé, la même chose. Les gens qui étaient avec Mobutu, ils ne l'ont pas aidé. Jusqu'à tel point, elle a laissé le président d'être vendu par les médias européens, alors que le plan était pour venir s'accaparer du pays. Et ce plan est là jusqu'aujourd'hui. Mais les ministres qui sont censés invoquer Dieu, comme c'était autrefois avec Israël, ils sont là, cherchés à devenir des députés, cherchés à devenir des ministres, cherchés à aller dans des bureaux des gens, et les gens nous parlent qu'ils sont des pères spirituels de Intel, pères spirituels de Intel, et nous sommes derrière ces gens-là pour recevoir quoi? Et les ministres se sont allés dans de même club. Quand je parle de club, ça veut dire des loges. Dans des dogmes, des credos et toutes ces choses-là. Et comment est-ce qu'ils arriveront à faire du bien pour un peuple qui souffre? Posons-nous des questions. Ils restent là eux-mêmes dans le pays, leurs enfants sont ailleurs. Ils sont là dans le pays, leurs enfants sont ailleurs. Comme on parle avec un ami qui travaille, je ne veux pas simplement citer les noms de la compagnie de l'aviation. Ah, moto, ah, ministre, ah, passi, nini, ah. Azoko le langa yana lexa, moi sina lexi de ba séjour, ah, on a kidné, moi sina fazon la Belgique. Et puis, ministre, ango, mais non, na boy koutro tanga, nini, ministère na, parce que vous voyez ba kombo nembala mo. Vous comprenez? Et l'ami s'est posé des questions. Il dit, mais, ah, on a monné l'eau comme on est. Donc, il n'y a rien. Donc, ça veut dire, à chaque fois qu'on entre dans des réunions de conseil des ministres, on prend des décisions, tout ça, on sort. Et le président sait que nous, les ministres, vont mettre ça en place. Et quand ils sont là-bas, les ministres, l'autre là qui se déplace simplement du bureau d'ici jusque là, Azad déjà naninina. Comment on appelle ça? Azad déjà rémunéré. Comprendre? Congo, avec des terres arables, que VK nous disait nuit et jour dans ses discours, à Kelukamasa, on a Zambie, on a payé en Afrique du Sud. Alors que dans d'autres provinces, Masango est tout là, on a pourquoi? Parce que transport, il a transporté Masango à Kinshasa, et que le Lubumbashi est zate. Mais on part chercher les Masango ailleurs. Tout ça à cause de quoi? Parce que quand dans les spiritualités, vous avez foulé aux pieds l'insidie de l'Éternel, les conséquences, c'est ce que nous voyons. Et le peuple, comme nous avons lu dans Ésaïe, le dimanche passé, vous qui conduisez mal mon peuple, le Seigneur les a promis qu'il les frappera. Mais le Seigneur a dit aussi à vous qui se laissent conduire. Que ma conséquence, parce que le Seigneur donne à nous un esprit de discerner les choses. Parce que Christ a donné sa vie. La parole dont nous sommes venus parler ici, c'est la vie de Jésus. Parce qu'on était né avec l'image animale. Et le Seigneur a voulu que nous puissions rejeter cela afin de prendre son image à lui, de bien examiner les choses. Afin que nous ne puissions pas souffrir. Mais si on souffre aujourd'hui, la cause, c'est ça. Nous ne voulons pas examiner les choses, nous sommes des fanatiques, complètement. Pourquoi d'autres gens, quand ils aillent là-bas, dans leur système là-bas, dans leur club, qu'on leur dit quoi? Venez ici, vous aurez du succès. Quand vous vous tenez devant les gens, au lobby, il y a beaucoup. Mais nous, presque dans notre pays, prenons l'exemple, chez nous, il y a plusieurs églises, les gens partent à l'église. Et quand nous allons aller, quand nous irons à l'église, posons-nous des questions. C'est pour parler à Dieu, pour prier Dieu, pour écouter Dieu, pour adorer Dieu. Maintenant, pour revenir plaire, pour revenir acclamer les gens qui bazo ignorent la vie. On a examiné, on a compris que non. Les chefs d'État qu'ils étaient avant, ils n'étaient pas mauvais. Sauf que les gens qui les entourent, ce sont eux qui sont des mauvais. Vous comprenez? Ce sont des gens que vous devez vous prendre en charge d'eux.
même les ministres que nous sommes, si nous ne vous amenons pas la parole, comment est-ce qu'on peut vous dire toujours, d'abord un Congolais à général, un Adalia a bien dit. Ça devient aussi les Angolais aujourd'hui. Même dans d'autres pays, les gens ne mangent pas bien. Les Africains ne mangent pas vraiment bien. Parce que manger bien, ça dépend aussi. Tu peux avoir à manger la nourriture, mais quand les autres pleurent, quand tu sors dans la rue, tu regardes les autres, tu reviens avec ces images-là dans ta tête et tu manges. Je ne pense pas que tu manges bien. Tu vois un peu ça? Je ne pense pas. Et maintenant, posons-nous la question. Pourquoi ça, ça, ça? Mais on est toujours derrière à acclamer ces gens-là. Mais si on aille à l'église, c'est pour que nos vies changent. Donc cela veut dire, je veux que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de vos esprits, vos âmes. Donc ça veut dire, si nos esprits, nos âmes prospèrent par la parole qui est Dieu, créateur des cieux et de la terre, à combien plus forte raison ça? Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. Donc cela veut dire que non, ce qui pensa toya va relocaïer selon sa volonté parfaite. Tokutani na to sololi na ye to zongi to zana posa ke na ngombate to zana posa ke na lela à chaque fois te chercher toujours du réveil, aller toujours plaire là-bas, chercher du réveil. Il n'y a pas de travail, mais aller après avoir descendu de la montagne, il y a des filles qui font des choses et toutes ces choses-là et des autres qui deviennent et des maris des chiens et ainsi de suite. Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Nous n'avons pas un esprit de discernement. Qu'allons-nous faire à l'église alors? Posons-nous des questions. Nous n'avons pas vendu nos droits d'aînesse aux ministres des églises. Nous n'avons pas vendu nos droits d'aînesse aux ministres des gouvernements. Voilà ce qui a frappé l'Israël autrefois par la bouche d'Élie les prophètes. Et je vous ai dit le dimanche passé qu'aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un Élie le prophète, Élie de Malachie 4. Et l'esprit d'Élie ne fait pas la compromis avec la parole. L'esprit d'Élie ne vient de nulle part. Ça ne dépend pas d'une organisation. Vous comprenez? L'esprit d'Élie, l'Élie quand il vient, il n'a pas un chef spirituel qui lui dicte des choses. Vous comprenez? Pour faire la compromis avec Dieu. Non. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a l'esprit d'Élie, remarquez le premier Élie, le Tisbite, il s'est tenu là devant Acab, il lui a parlé de l'ainsi dit l'Éternel. Il était venu de nulle part. Le fils né de Jésus-Christ, né de la parole, non né des organisations, non né de ce qui sort des pensées des hommes, batuba vanda ba yokana biso doctrine na biso kozala boyete. Doctrine, il y a pas dans mais Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce qui fait que non, ce qui est écrit à Genèse, jusqu'à Apocalypse, bah, on rejette à ta mort. Bah, aux interprétations vraies, peu, bah, tel est Mawana. Et le Seigneur sera avec elle et le protégera. Voilà l'ainsi dit l'Éternel de ce dimanche matin. Prenons conscience, repentons-nous, disons Seigneur, je malcris. Seigneur, je suivais par des sentiments. Parce que le miracle, ce sont des choses qui peuvent aider, qui peuvent égarer. Vous comprenez? Sans la parole, nous avons parlé de ça. Le don sans la parole, c'est la mort. Effectivement, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Élie, il a grondé qui? Acab. À cause de quoi? Parce qu'il a abandonné les commandements de l'Éternel pour aller prendre une femme, Jézabel, une première dame distinguée qui ne faisait pas partie, comme les gens de francophones aiment toujours élever les gens qui n'ont pas niveau moroboyé. C'est ce qui cause aussi de nos souffrances. Vous voulez toujours élever les gens, surtout les Congolais, donner des surnommés, je ne sais même pas. Et c'est ça qui s'était passé avec Israël autrefois. Et qu'est-ce qui s'était passé? Élie, quand il est venu, il a dit à l'autre, tu troubles l'Israël, toi.
Tu as amené ce pays-ci hors de la volonté du Seigneur. C'est ça qui se passe. Et toutes les églises qui étaient là-bas, tous les prophètes qui étaient là-bas, des serviteurs de Dieu, ceux qui étaient dans des temples, des sacrificateurs et tout, ils étaient souscrits à cela. Bazalaki d'accord na gouvernement na bon parce que ba vivaki tamo ba to zo ba mongo ne to zo mon na circulation ba dollar dans un pays où on dit que les gens souffrent, dans un pays où de guerre. Les autres sur le parlement. Un parlement dans un pays tel que notre le nôtre et qui prennent ba koti ce qui neve ba bimi na bango 15 ba ke na bango ko mena ba bière. Ba msu ba zongi na bango banda. Le Seigneur, il a dit ici, il frappera et il frappera. C'est ainsi dit l'Éternel. La parole infaillible de Dieu Tout-Puissant, ça ne faillit jamais. Ce qu'il a fait hier, il est le même aujourd'hui, dans 2023. Il est le même Dieu. Vous devez prendre position à la parole parce qu'Élie est ici avec nous. Il nous a quittés dans la chair, mais son esprit est là. C'est le Saint-Esprit, parce qu'il nous a été promis que cet esprit viendra 5 fois. Première, il a grondé à Cap. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec une église étrangère païenne qui adorait plusieurs dieux. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous prétendons servir Dieu, nous prétendons aimer Jésus. Quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, toujours le nom de Jésus. Dieu m'a fait, Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé, Dieu m'a donné une année de plus. Est-ce que votre vie reflète-t-elle le nom de Jésus que vous confessez? Votre vie reflète-t-elle la parole qui est Jésus dont vous vous prétendez aimer? Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Ta foi, toi, est une foi révélative. Donc, quand ton temps arrive aujourd'hui, tu seras pris comme Élie, parce que nous vivons le temps d'Élie. Qu'est-ce qui s'était passé au temps d'Élie? C'était comme le temps d'Enoch, le 7e, des générations de justes, de la génération des justes. Vous comprenez? Quand son temps était arrivé, il était pris. C'est comme ça que l'Église est prise. L'Église n'est pas censée dépasser à la tribulation. Toi, ma sœur qui m'a posé la question, toi, bien-aimé, mais si tu seras gardé pour la tribulation, sache que tu seras là pour le jugement parce que l'épouse du Christ, un élu de Dieu, n'est pas censée d'attendre le jugement. Non. Passer de la mort à la vie, pourquoi? Parce que la mort, c'est le jugement. C'est la sentence du jugement de Dieu, de l'homme qui avait fait la compromis à la parole de Dieu au commencement, quand ils ont bafoué l'ainsi dit l'Éternel. Vous ne mangerez pas le fruit qui est au milieu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'autre, quand le malin est venu, il a dit, Dieu a-t-il réellement? Il l'a ajouté. Et la sentence était là, quoi? Tu mourras. Tu ne totaliseras pas la dispensation de vainqueur parce que tu n'as pas vaincu. Tu as fait la compromis avec la parole. Qui a amené l'autre à la chute? C'était l'Église, la femme. Et vous nous amenez aujourd'hui à écouter les femmes. Les femmes immorales, en les mettant derrière la chair avec des pantalons, des habits des hommes. Pantalon corps serré, avec des cheveux d'autres couleurs, en mettant des dragon's nails, les ongles des dragons, pour venir nous prendre cette sainte Bible, ce livre sacré, se tenir là-bas devant les hommes et les femmes, en cherchant, prêchant la parole, et en parlant des choses, ils ne prêchent même pas, ils parlent de la morale. Voilà l'état actuel de ce monde. Et on se prétend invoquer un Dieu. Quel est Dieu? Le Dieu d'Élie? L'éternel Dieu? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre? Vous, Élie de Dieu, vous, fils et filles de Dieu, vous, enfants de Dieu, prenez position. Quand nous sommes encore en vie, prenons position à la parole pour que quand la colère de Dieu se battra sur ce monde ici, nous ne puissions pas partager
les mêmes habitants avec eux. N'ayez pas peur. Prenez position à la parole. Parce que nous étions créés par elle. Rien de ce qui a été créé sans elle. Sortez du milieu d'eux. Quand vous les voyez, ils ne veulent pas écouter à cause de la popularité. J'ai dit qu'on a dit ici, le dimanche passé, quand les gens arrivent à la sanctification, ils abandonnent la bière, l'alcool, le femme, ainsi de suite. Ils aillent souvent à la montagne. Ce feu de la prière amène les dons. Mais quelques jours, 3 ans après, s'il n'y a pas la parole, cette église tombe. Et ça ne se relèvera plus. Ça devient un endroit des oiseaux impurs. Cela veut dire des démons. C'est là où que le diable se repose. Il se repose dans des églises. Parce que là où on a fait la compromis, autrefois dans les jardins d'Éden, il s'est reposé où il a pris la femme d'autrui. Il est allé avec l'adultère. C'est lui le premier qui a commencé avec ça. Est-ce que vous comprenez? Vous, saints de Dieu. Et c'est ce qu'il fait, il est toujours là, à l'église, non hors de l'église. C'est ça la religion jézabélite. Vous voyez quelqu'un qui est devenu, il est là, tantôt avec la Bible, tantôt député. Il mélange la politique et... Il serve Dieu en même temps. Il est la ministre, il est... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que la politique d'aujourd'hui exige des gens à être dans des clubs. Si le ministre des églises, dans des corps de Christ d'aujourd'hui, on les exige de faire des choses, des clubs. Quand je parle des clubs, comprenez. Je ne vais pas citer le nom des clubs que vous connaissez très bien. Parce qu'on va parler de ça le dimanche prochain. J'avais besoin d'un tableau ici pour dessiner ça très bien et expliquer ça brièvement. Et donner même des années. Depuis quand est-ce que les illuminations ont commencé, tout ça, qu'est-ce qui se passe, ils sont maintenant où? C'est ce qu'on a voulu expliquer. Sans le tableau. Donc, ça va être sans que pourtant avoir le tableau ici, c'est vraiment difficile pour vous. Dire, expliquer ça comme ça, même moi-même, j'aurais des difficultés. Hein? Dieu nous aidera, on aura ça, et puis on va mettre ça ici pour essayer un peu de mettre les choses au clair. C'est pourquoi je me mets un peu à côté pour vous montrer déjà qu'on a besoin de ça. Vous comprenez? C'est ça le système qui est aujourd'hui. Et quand vous vous entrez dans des politiques, pour aller faire la politique, dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire de Dieu? Absolument rien. Absolument rien, parce que quand vous entrez là-bas, vous êtes censé d'abandonner la Bible. Et c'est ça la compromis. Et tout le monde aujourd'hui, presque, ils sont là-bas. Même ceux que vous ne les voyez pas, ils n'ont pas de poste. Demandez-lui quand il parle dans des réunions, quelle réunion qu'il aille. Pose-lui simplement la question. Vous comprenez? Et quand on vient ici, les gens pensent qu'on est venu pour vous faire prendre, vous faire rentrer, je ne sais pas où. Non, préparons-nous, parce que c'était simplement un petit groupe de zélés au temps de nous remarquer. Jésus lui-même, il a donné l'exemple. Quand les disciples lui ont posé la question dans ce même chapitre de Luc 17, « Seigneur, parle-nous de l'avènement du Fils de l'homme. » Il a dit, il donnait d'abord les exemples. Ça serait comme au temps de Noé, en premier. Second, ça serait comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Remarquez ce qui s'était passé au temps de Noé. 8 âmes étaient sauvées parmi des millions de gens. C'est ce temps à laquelle que nous, c'est le Seigneur que vous témoignez, que nous nous témoignons, qu'il a dit. Si moi, j'ai peu d'amour pour vous aimer, mais lui, il en a plein. C'est maintenant s'il a fait une telle déclaration, qui peut changer ce qu'il a dit. Comme l'autre pas prêché l'autre fois là-bas, il mettait disant que non, il voulait mettre à l'écart l'élection de Dieu. Au temps de Noé, c'était 3 personnes. La femme de Lot, elle aimait beaucoup le monde comme des ministres des églises, comme des ministres des gouvernements. On lui donne le ministère pour qu'il puisse travailler pour les gens
enfin honorer son nom, honorer le nom de son père et de sa famille pour être un grand? Non, 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 non. Non, c'est pourquoi les Indiens, les Pakistanais, les autres viennent avec de faux whisky détruire des jeunes et des filles du pays. Dans les pays, il y a les trucs de Kuluna et toutes ces histoires-là. Vous voyez des conséquences. Ça cause de ça quand la spiritualité est bafouée. Les gens ont fait la compromis avec la parole de Dieu. Non, on peut faire ça et ça fait quoi? On peut devenir ministre, on peut faire ceci, ça ne fait pas mal. Comment avoir les soucis de ton pays si là où ton cœur est, tu l'as mis en Europe, en Belgique, en France, ta famille est là, toi tu es ici. Tu n'auras pas souci de ce petit peuple, de ces gens qui souffrent. On va parler de ça, on va continuer de ça. Nous sommes là avec l'esprit d'Élie qui n'aime pas faire la compromis avec la parole de Dieu. Jean-Baptiste est remarqué, il a dit à Hérodie, à cause d'Hérodias, c'est la femme de ton frère, tu ne peux pas le prendre. Vous comprenez? Comme ta femme. Bien sûr que cela a coûté, il lui a coûté le prix de sa vie, mais il n'avait pas voulu compromettre à la parole de Dieu. Retournons à Élie. Là, je suis en train de parler de 1 Roi chapitre 17. Commençons au premier verset jusqu'à là-haut. Vous allez voir, c'est ce que je suis en train de dire ici. Vous voyez? Élie était sorti là-bas, ils ont voulu à ce qu'ils puissent faire la compromis avec d'autres églises, d'autres prophètes qui étaient là-bas. Ils étaient nombreux des gens qui prophétisaient comme dans ces temps ici. Allons-y à la montagne, fais ceci, fais de cela. Et quelqu'un qui vient, qui laisse beaucoup de barbes ici, vous comprenez? Trop de barbes avec de longues robes. Alors vous parlez mal des musulmans comment? S'ils portent leurs tuniques. Et aujourd'hui, vous avez commencé à porter des tuniques et des toges et toutes ces histoires-là qu'on appelle les... J'ai oublié le nom ici, qui fait du succès ici. Et Talita ou... Non. Bon, on va se rappeler de ça. Et on voit là-bas, on fait des cérémonies franc-maçonniques dans l'église et tout ça, et les gens s'habillent avec des croix, des croix là, des quoi? Des illuminati. On va parler de ça, on va montrer ça. Et il se tient là-bas, les gens se tiennent là-bas, il dit qu'on a élevé notre chef spirituel, il est devenu une telle. On lui a élevé, il est devenu une telle. Qu'est-ce que cela a à voir avec la parole vivante de Dieu? Cela freine votre marche spirituelle avec Christ Jésus. Voilà comment est-ce que vous devenez des idoles. Ces gens-là sont devenus vos idoles à vous. Pourquoi vous cherchez toujours ce qui attire le regard? Le Seigneur avait dit dans ce même chapitre, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer le regard. Élie était venu de nulle part. Il ne voulait pas compromettre avec tous ces gens-là parce qu'il savait ce qu'ils sont. Remarquez tous ceux qui font le nom aujourd'hui. Si vous le suivez très bien, quelque part, il a déjà mélangé Dieu avec maman. Il a déjà mélangé la lumière avec les ténèbres. C'est Laodicée. Vous comprenez? L'église de Laodicée, d'Apocalypse chapitre 14, 20, le Seigneur avait dit ça. Vous êtes ni froid, ni bouillant. Vous êtes tiède. Pourquoi? Parce qu'il prend le froid, il prend aussi le chaud, il met ça ensemble. Quel état? Voilà l'état spirituel. Et il se met là-bas, il dit que je suis riche, je me suis enrichi. Je n'ai besoin de réserver, il n'y a pas besoin du Seigneur. Et le Seigneur se tient là-bas dans verset 21, 22. Il frappe à la porte. Celui qui attend ma voix. Vous savez, l'un à un individuellement qui peuvent entrer. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller à l'église d'adorer Dieu. Non. De combattre les systèmes. Quand vous voyez ce système diabolique, cherche à vous égarer de la marche avec votre roi qui a donné sa vie afin que vous puissiez posséder cette vie en vous, quitter. Entre dans ta chambre comme le Seigneur avait dit. Prie en secret et le Père qui écoute en secret, il vous répondra. Il fera de vous un fils prophète, un fils Élie, qui serait capable de commencer par vous-même de déplacer les montagnes. Vous comprenez?
Vous serez capable de vous-même de déplacer des montagnes. Si vous gardez cette parole, parce que Dieu, il est le même. Hébreux 13, 8, Jésus-Christ le même hier, s'il était le même dans ce temps d'Élie. Dans ce temps de David, qui combattait avec des ours, des lions, il n'est pas le même Dieu aujourd'hui. Posons-nous des questions. Quel Dieu que nous sommes en train de servir? Pourquoi sommes-nous des esclaves dans notre propre pays? Et les gens sont incapables de mettre ces gens-là de côté. Est-ce que vous comprenez? Ils attendent simplement que le président dise quelque chose. Qu'est-ce que le président? Vous vous attendez simplement du président. Mais vous, les ministres, vous avez l'ainsi dit le Seigneur. C'est cette parole ici. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Posons-nous les questions. Je ne me retire pas, je m'aimais moi aussi. Vous, fils, fille de Dieu, qu'est-ce que vous faites avec cette parole ici? Posez-vous des questions. Parce que par cette parole ici, le Seigneur a donné l'autorité à son Église. Marc 16, 15 à 18. À mon nom. Allez prêcher par tout le monde cette parole. Celui qui croira sera sauvé. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains les malades. Ceux-ci seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Au moins, qu'on y va. Si on y va, il y a le poison au bon délit pour la bilée. Comment on va y aller? Tata pas! Comme on a eu ce sac, il y a Facebook, TikTok, il y a le bilé. Mais avant de manger, il faut prier. Vous ne pouvez pas mourir comme des bêtes parce que vous n'êtes plus des bêtes. Christ a versé son sang pour que vous puissiez posséder sa vie. Il a envoyé Élie le prophète pour que vous puissiez sortir de toutes les dénominations, de tous les systèmes faits des mains d'hommes dont le diable est le chef des églises organisées, afin que vous puissiez revêtir l'image de lui, Christ. À sa ressemblance, vous étiez créés. Voilà. Voilà la religion Jézabel, cette femme dépourvue, cette église déchue qui était descendue en Israël, a amené tous les prophètes à faire la compromis avec Dieu. Et ils sont restés là-bas, comme ils prospéraient, ils voyaient que c'était bien. Comme les ministres d'aujourd'hui remarquaient, et tous, ils sont dans de bonnes vies, dans de bonnes conditions. Leurs enfants sont au Canada, France, États-Unis, Belgique, Londres. Et ainsi de suite, d'autres Afrique du Sud. C'est difficile d'entendre que leurs enfants sont en Angola, au Cameroun, Côte d'Ivoire et à Lubumbashi. Non. Kananga, non. Vous comprenez? Comme l'évêque Blaise, dans l'émission avec Bosolo na politique, il a mis la part à Bosolo na politique, lui qui se prétend frère du message. Frère du message, à ma émission, voilà. Je me pose des questions, frère. Toi, le frère du message, dans ma position, voilà. Tu es un frère Guigny, frère. Vous comprenez? Les sangos, les missionnaires, l'évêque là, du Mbujima, il a dit, mais ceux qui sont en abattement souffrir, ils ont des sangos, parce que tu es un abattim, ils ont des sangos, ils ont des sangos, ils ont 3000 francs. Ils ont des moka. Côté où on a pasteur, moi, on dit, mais aucun des kounate. Voilà! Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Voilà les conséquences de nos souffrances. Ce sont des ministres, des églises. L'ennemi ne pouvait pas entrer dans les pays et mettre les grands Congo à genoux. Remarquez, un autre rebelle qui disait, quoi, Laurent Kounda était venu comme qui? Pasteur. C'est à cause de ça, un esprit de séduction. Vous comprenez? Un esprit de garément. Il est venu là-bas et à côté comme pasteur avec la Bible, tu vois les gens. Vous comprenez? Mais ceux qui ont l'ainsi dit l'Éternel, pour s'élever, enfin de mettre fin à ça, non, ils sont derrière l'argent, ils sont derrière la popularité, aveugler les gens avec des miracles et toutes ces choses-là. On peut même parler comment est-ce que ces choses-là se déroulent. Je peux même vous parler sans détail comment est-ce que ces dons des prophéties se déroulent. Je peux même vous parler en détail qu'est-ce qui se passe avec des histoires de la sorcellerie et tout. Mais on n'est pas venu ici pour ça.
On est venu ici pour vous dire à vous, fils de filles de Dieu, de prendre position à la parole. Le seul, ils sont libres, le Seigneur avait dit. Nous ne sommes pas venus ici pour le condamner, mais nous clarifions des choses pour que les saints de Dieu puissent reconnaître que non, le Seigneur a donné sa vie à lui, non pour l'ange, pour un chérubin, pour un séraphin, pour les 24 veillères, mais pour moi. Donc cela veut dire ça, son sang, la vie vient du sang. La vie est dans le sang. Son sang à lui, quand ça entre à moi, j'ai sa parole à lui. Je peux dire et je le travaille. Je peux parler, j'aurai le mariage. Je peux parler, j'ai la guérison. Je peux parler, je me déplace. Remarquez-vous qui avez quitté peut-être d'un continent à l'autre. C'était votre argent, vous avez travaillé, peut-être vous vendez dans un marché, vous avez eu de l'argent et puis vous vous êtes organisé et cela vous a aidé. Vous comprenez, c'est votre force, c'est le Seigneur au travers de vous. Et vous vous êtes déplacé, quand vous faites vos business, le Seigneur est derrière là. Vous comprenez? Si on aille à l'église, c'est pour adorer Dieu, ce n'est pas pour être, devenir des adorateurs des gens, pour vendre nos droits d'aînesse pour ces hommes-là. Non! Et un bon serviteur de Dieu ne se tiendra pas derrière de telles choses pour prendre le bien, ou ça veut dire les âmes dont Christ a donné sa vie à la croix pour eux, faire de ses idoles à lui, ses instruments à lui, ses fruits à lui, ses esclaves. C'est ce devenir dénominationnel. Remarquez ce que Ésaïe chapitre 14 nous a dit ici, quand il parlait de Lucifer. Cet astre brillant qui était descendu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, quand il ferme les gens dans sa prison, il ne libère pas. Donc, si vous avez fait le pacte avec lui, il ne blague pas. Ceux qui ont essayé de rejeter, on les frappe directement, ils sont tombés. Ils sont morts. C'est tout. Et tu es perdu. C'est la séparation éternelle. Vous comprenez? Et vous, qui sont nés à Christ, qui sont morts et nés en Christ, quand votre heure arrive, vous partez. Vous n'avez rien à discuter parce que vous êtes passé déjà dans les jugements de la mort à la vie, comme le Seigneur a dit. Et vous possédez son royaume quand vous êtes. Vous êtes ici, mais vous vivez déjà là-bas. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Voilà ce que Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit. C'est ce que Paul nous dit, que nous sommes ici. Je suis ici, mais je ne vis pas ici. Si vous défendez la parole, si vous gardez l'ainsi dit l'Éternel, si vous parlez à l'ainsi dit l'Éternel comme on parle ici, l'Éternel frappera comme il a dit et personne n'échappera. Dieu vous protégera. S'il protège, qui peut prendre? S'il a dit oui, qui peut dire non? S'il frappe, qui peut défendre? Psaume 50. Est-ce que vous comprenez? Prenez position à la parole. Lisons. Et puis nous allons terminer. Je ne sais pas si j'ai encore du temps ici. Lisons et nous allons terminer. Je vois que mon temps est déjà fini. J'avais voulu pas dépasser une heure du temps. Vous allez m'excuser. Que Dieu vous bénisse richement. Nous lisons ici. Je ne faisais que citer les Écritures, mais je n'ai pas encore lu. Vous allez m'excuser, peut-être j'étais un peu dur. Je ne suis pas en train de blâmer les gens, mais nous sommes en train de parler des enfants de Dieu, des élus. Comme on a donné l'exemple de huit âmes qui étaient sauvés au temps de Noé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient restés avec la parole. Et les millions, ils étaient perdus. C'est ce que le Seigneur avait dit, c'est ce qui va s'arriver dans ces temps à laquelle nous vivons. Il a donné l'exemple des temps de Noé, vous comprenez, des temps de Sodome et Gomorre. Nous avons vu que Dieu était venu dans la chair humaine, il est resté avec Abraham, la race des élus. Abraham a intercédé dans sa prière du compte à rebours pour les justes qui étaient là-bas. Il n'a pas dit, Seigneur, s'il y a cinq prophètes, comme vous avez toujours les yeux fixés vers les prophètes pour qu'ils prophétisent. C'est un don de séduction dans ces temps que nous vivons. Vous êtes prophète de vous-même et si vous entrez dans la prière, les uns, les autres, là où deux, trois sont réunis, à mon nom, je suis au milieu de vous. Si vous priez en esprit, en vérité, vous demandez à Dieu, Dieu va parler à une sœur qui est en France, à une sœur qui est à Cameroun,
que vous connaissez, il vous dit que non, na loti boye 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 po na yo. Est-ce que vous comprenez? Comme l'autre fois, j'avais vu des histoires dans des songes. Il y a un frère, Paul Elisabeth, qui m'a appelé, a dit que non, talanot na loti po na yo, bazo beta yo pozo AVC, tout ça. Pourquoi t'es assouti? Je lui ai dit, que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. C'est une confirmation de ce que le Seigneur m'avait montré. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur te dit, frère, prie pour moi. Et je te demande de me prier pour moi. Voilà. Et c'est là qui te n'a qu'il n'est pas moutazo, tout en tout cas. Faux, c'est la fausseté, frère. Aujourd'hui, Dieu parle dans le silence. Vous allez entendre une voix douce qui vous parle, silencieuse. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que nous sommes venus parler ici. Donc nous devons prendre position à la parole, non derrière les hommes. Ils nous égarent, ils nous éloignent de la volonté de Dieu. C'est ce qui s'était passé dans ce temps-là quand cette femme avait pris possession. Aux yeux des gens, c'était Akab, le roi qui dirigeait le pays, du royaume. En secret, ce n'était pas lui. C'était cette femme, Jézabel, qui lui conduisait. C'est ce que nous allons lire ici. Voilà l'état actuel des églises. L'état actuel de nos ministres. Vous comprenez? Si le saint de Dieu qui se tient derrière la chair, qui se tient dans des églises qui sont vraiment saints de la parole, Christ, révélé du jour, il se met là-bas, ils disent que non, assez, assez. Ils rejettent tout ce qu'on leur donne. Ils ont des rémunérations. S'ils rejettent les rémunérations qu'on leur donne qui viennent des ministres et des gouvernements. S'ils abandonnent le système, toi, serviteur de Dieu, quitte là-bas. Le Seigneur ne blague pas. Vous lisez la Bible, vous connaissez l'histoire de cette Bible. C'est un Dieu qui ne fait pas la compromis. Quand vous prenez Dieu comme votre ami, vous vous êtes habitué avec Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de l'enfant d'Eliou, le prophète que Samuel avait remplacé. Le prophète qui a dit à Anne, va, ta prière est exaucée. Il n'avait pas dit beaucoup de choses. Parce qu'il avait compris que ce que cette femme demande est correct et exact. Et Samuel était la serviteur de Dieu. Mais ces prophètes-là, pourquoi ces enfants n'ont pas servi le Seigneur alors qu'il était sacrificateur? Parce qu'ils ont, pris des faits étrangers, ils sont habitués avec Dieu parce que Tata n'a pas un sacrificateur, il est toujours mon allélo, Tata a accueilli, parce que moi, je suis allé, il était là, faisant des histoires en Europe, ici, par-ci, par-là, voyageant à Dubaï, des bêtises, ainsi de suite. A commis pasteur brusquement comme ça et tout le monde sont là, plein toujours. Je ne sais pas, Esaïe a déjà dit, vous qui se laissez conduire par eux, voyez, bah, conséquence, Bokofu tango binomoko, sa colère va s'enflammer promptement. C'est ce que dit les Écritures. Prenons garde. Ce sujet ici, c'est vraiment, bon, que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 21, à ce qui concerne nos droits d'aînesse. Ne vendez pas votre droit d'aînesse à cause de l'argent. Ne vendez pas votre droit d'aînesse à cause de la popularité. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour rester là avec des grands. Vous comprenez? Vivez la vie de la parole. Nous sommes sujets à des fautes, à des erreurs. Oui. Nous plongeons tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous tombons chaque jour. Mais nous devons nous revenir à la parole chaque soir, chaque matin, dire, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je tiens compte que ce que j'avais fait ici n'est pas juste devant toi. Aie pitié de moi. Chaque jour, un enfant de Dieu implore son Père. Parce qu'il sache qu'il est dans ses corps de chair. Et c'est à ce moment-là que les esprits mauvais, les gens qui nous acquisent nuit et jour, en disant, Seigneur, ils ont fait ceci. Parce que c'est comme si ils sont là dans les églises, ces gens-là. Ils nous acquisent à chaque fois. Tes amis,
tes frères, même les gens de même famille, ainsi de suite, ils nous acquisent, ils jouent le rôle du diable. Il y a des pasteurs, des prophètes qui nous acquisent, qui viennent comme ça, tu confesses tes histoires, et comme problème, il y a moquerie, et comme si j'ai moquerie, il y a hochement de tête. Parce que toi, tu vis une vie de sanctification. C'est ça, on me l'a bien hérité, ok, n'a pas bien hérité, n'a ni ni yo, kanisinde yo, comme yesu, yo, koka. Non? Mais quand on entre dans les écritures, tu n'interprètes pas, ça même bien. Mais tu condamnes un enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu en s'humiliant, alors que l'Éternel avait dit, il aime un cœur qui s'humilie. Les sacrifices que l'Éternel ne dédaigne pas. Lis ça, David a imploré le Seigneur dans le psaume 51 vers la fin, là. Ouais? Nous devons nous humilier à la parole. Et quelqu'un, quand il vient te dire ces choses, toi, serviteur, tu dois cacher cela. Mais tu prends ça, tu parles ça à ta femme. Voilà ce que Akab avait fait. Tout Jézabel qui contrôlait. L'a distingué, Jézabel. Allons-y, continue. 1 Roi chapitre 21, nous sommes en train de lire. Lisons ce qui s'est passé à un saint de Dieu qui n'avait pas voulu vendre son droit d'aînesse. La révélation du jour, vous comprenez? Pour aller faire compromis avec des dénominations, avec des gens qui sont allés entrer dans des systèmes de ce monde, des systèmes dont le diable contrôle, dont il est le chef pour donner les âmes de Dieu qu'il contrôle, que le diable puisse en prendre possession. Non, toi dis non. Quand tu vois celui-là, il n'écoute pas, il ne veut pas changer cette position-là, toi quitte-lui, dis non. Je ne veux plus être ici. Frère Intel, où es-tu, sœur Intel? Mon cher, c'est ici. Ton ange a besoin de toi. Ça, ce n'est pas mon ange. C'est un faux ange. Le vrai ange, il vient avec la parole. Vous comprenez? Voilà. Lisons. Et puis nous allons terminer. Verset 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisraël, avait une vigne à Jisraël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Achab, j'ai dit souvent Achab, Akab, mais je n'ai pas aimé parler. Achab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. » Vous comprenez déjà les mots potager. On avance. « Car elle est tout près de ma maison. Alléluia. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Une, je te donnerai. Voilà ce que le diable fait. Ils viennent. Non, c'est mon avis. Il y a 40 ans, il y a déjà 50 ans, il y a 50 ans, il y a 50 ans, il y a il a dit ça même au Seigneur Jésus-Christ quand il était venu là. Jésus, il était là. Le diable est venu. Kumba melangai, omoni mokiliotu, yangai, nakope saer. C'est ce qu'il fait. Ce que nous avons parlé l'autre fois ici. Et batou le lo, batou nyo, c'est presque. Presque les gens qui font du succès. Azadan kolo, azadan yotou. Voilà le langage que j'écoutais des jeunes gens qui parlaient. Vous comprenez? Sur YouTube. Mais écoutez ce que Naboth a dit. Alors qu'on voulait lui donner quelque chose qui est plus grande que Oyoya Zanango. Vous comprenez? Écoutez. Mais Naboth répondit à Achab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alléluia! L'héritage de tes pères, c'est cette parole ici. Tes pères à Abraham, dont Dieu a donné la promesse. Toutes les nations seront bénies en toi. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Cela veut dire, Mouta teremi boy, azo lake la mabe, pas moi nanzambe, ndengo zawana, a lake la mi mabe. Pour katika tina yo yo zana mabe, te a lake la bat. Toi, ta bouche ne fait que bénir. Au moins, on dit que Dieu te bénisse. Abonne-toi.
Toujours des bonnes paroles. Et Moutoumoura Zoya pour la Kelama, parce que tu es un fils d'Abraham quand tu gardes l'héritage de ton père Abraham, qui n'avait pas voulu faire la compromis avec qui? Le roi de Sodome, qui lui a dit que non, Pesanga Batu, Tala, Diabla Banda Kala. Vous comprenez? Mais il n'avait pas voulu. C'est comme ça que nous devons être. L'héritage de nos pères, la parole révélée du jour. Christ et Jésus personnifié dans son prophète, en toi, à lui, à elle, à moi. Et quand nous nous réunissons, nous formons son corps. Et il est là. Dans quelques lieux où sera le corps, s'assembleront les aigles. Le corps, c'est la parole. Son corps à lui. Et les aigles de la parole s'assembleront pour écouter sa voix. Voilà ce que nous venons vous rappeler ce matin. Afin que vous puissiez sortir, comme Frère Abraham disait que non, il y aura un temps que les élus sortiront de toutes ces dénominations. Ils sont partout dans toutes les églises. Mais ils sortiront comme Lot et ses enfants, ils étaient sortis. La femme, Azaki Nabilengi, Yamokiyabo, t'as la popularité comme les gens d'aujourd'hui. Ce sont des enfants de Dieu, derrière la chair. Ils ont voulu commencer avec un souci d'aimer Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que non, ils sont tombés, ils ne se relèvent pas à cause de la popularité. Nami solo. Dans le temps, l'amphithéâtre, il y a un jet, il y a un nini. Voilà pour aller chez chapitre 3. Je suis riche, je me suis enrichi. Alors, yo, tika lo telemika awana. Ce monde a dit que moutaza apoya na yeme, yo telemika awana. Esaïe le bi déjà. Comprendre? Avançons. Naboth n'a pas voulu vendre son droit d'aînesse comme nous avons vendu nos droits d'aînesse en restant là-bas, comme Johnny les corbeaux. Nous ne voulons pas sortir du cage. On t'a dit, Johnny, tu as les ailes, batte les ailes, sorte de ces cages. Cet homme méchant te garde ici, aille là-bas, nourriture, c'est noyé. C'est comme ça avec la nourriture spirituelle aujourd'hui. Quelqu'un qui est déjà pauvre en esprit, il vous amène des choses illimitées. Et quand ça ne marche pas, allons-y à la montagne. Quand on va gênant, quand mais Batoubazo lia nanou bienté. Batoubazo lia bienté banam sala boni ko je ne sera bango chaque fois. Bango ya pebole la pana ko pesa pe bango te misolo be belé. Ni. Mais on n'arrive pas à comprendre, les gens souffrent. Qu'est-ce qui se passe au fait? Et les gens ne veulent pas prendre position à la parole pour se libérer eux-mêmes. Voilà. On est venu vers Johnny le corbeau, l'exemple que le prophète avait donné. Il a dit, comment est-ce que les dénominations gardent les gens là-bas? Et cet oiseau était devenu incapable de voler. Ouais. Il voulait toujours rester là-bas, attendre l'homme méchant pour l'amener là. Mais pas un aigle. L'aigle aussi s'est retrouvé dans la basse cour avec la mère poule. Mais quand elle a attendu la voix de sa mère, l'aigle, l'aiglon n'a pas voulu rester là-bas. Maman, que peux-je faire? Osana ma papou mi balé. Que représente ma papou? Bon abisso, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Bête yango matalikolo. C'est ici où il y a la révélation de cet esprit que tu retrouveras ton nom écrit déjà dans les livres. Si tu ne viens pas ici, on le trouve en côté. N'a sec on n'a pas secours. Et aussi m'bate au goliaba mi. L'aigle ne mange pas ça. Il mange la nourriture fraîche, la nourriture spirituel au temps convenable. Allons-y avec Naboth, verset 4. Achab, rentrant dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth des Israël. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Alléluia. Je ne ferai pas la compromis avec la parole vivante de Dieu. Amen. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Toke siko, makambe bandi. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste de ne manger-tu point? Et ne manges-tu point, pardon? 6, il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jisraël de lui. Et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai
une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. C'est alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Et elle écrivit au nom d'Akab. Elle a commis mon canon à combo et roi Akab. Donc, comme il a souvent trop, c'est ça. Des lettres qu'elle cela de sceau d'Akab, a dit sceau, il y a mon conjambok, a dit. Et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivait, elle écrivit dans ses lettres, publiait une gêne, plaçait Naboth à la tête du peuple et mettait en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et les rois. Vous voyez qui m'a rembarqué, c'est lié. A maudit Nzambe, na roi. Et pas Nani, et pas Église, Yahweh Kouya, Jézabel. Une femme païenne. Pour mettez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats et les habitants de la ville agirent comme Jézabel l'air avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne. Oui, ok. Quoi? Un jeûne pour faire du mal à un fils d'Abraham, un fils de Dieu qui n'a pas voulu vendre l'héritage de ses pères, l'héritage de Dieu en lui. Vous comprenez? Amen. 13. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. C'est ce qui se passe souvent dans nos vies. Et continue. Puis ils les menèrent hors de la ville, ils les rapidèrent et il mourut. Un saint de Dieu est mort. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. 16. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel enfin d'en prendre possession. Azupe Yango. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, même avec les gens qui sont tout autour. Nous avons un bon président qui aime les pays. Et les gens qui sont tout autour là-bas, ils sortent là-bas, ils organisent des généraux, des choses comme ça, pour aller prendre un bien qui de quelqu'un. Comme j'ai entendu l'autre fois là-bas, Didier Kinoan, il plairait à cause de ses biens et déjà des conseillers qui étaient là-bas. Donc, il ne tient même pas compte que non, Bazo va travailler dans le président. Voilà. Voilà. Et les gens sont là à garder dans le calme. Nous devons parler même dans la prière pour de tels hommes qui nous détruisent. Qui nous détruisent. Obabo Mabiso. Spirituellement et physiquement. Et à partir du verset 17 ici, je ne voulais pas lire ça, c'est un peu long. C'est ici que Élie est apparu pour parler à Naboth, à Akab, ce qui va lui arriver à cause du juste. Que Bamboa, Babolia yo, Babolia na moi sinon Jézabel. Et cela s'est arrivé à cause d'un seul juste. La nation tout entière, cela veut dire le royaume d'Israël, cette nation ici, ils ont vu comment est-ce que Dieu les a traités. Élie a dit 3 ans et 6 mois, Mbou le bête a guité. C'est ce que vous êtes, mais vous l'ignorez. Vous n'êtes pas n'importe qui comme vous êtes là-bas.
C'est question simplement d'avoir cette parole avec vous, sans compromis, ni rien de semblable. Vous allez voir que non, vous êtes devenu Dieu, parce que cette parole est Dieu. Quand ça est en vous, Jean 14 s'accomplit en vous, et vous devenez. Et quand vous vous mettez là-bas, vous regardez d'autres personnes comme des créatures, comme des humains, parce que vous n'êtes plus un habitant de la terre. Est-ce que vous comprenez? Tout ça sont des enseignements que je suis en train de parler ici. Hein? Vous n'êtes plus un habitant de la terre. Ouais. Donc vous êtes ici, mais vous êtes un habitant céleste. Un habitant céleste, et il est comme frère Branham. Quand il prononce la parole, la chose arrive. A komi boye, na chasse bekire bazate, a lobi bekire babimi, bisende e bimi. Bekire na lingala bisende, bisende yé. Vous comprenez? Et lit les prophètes dans ces temps-là, à la maison de la femme, de la veuve de Sarepta. Oui, les alagite farine, les alagite. A kota boyepsiye, yo ye langa ena no yo zanangonga na lia. D'abord, honorez la parole. Et le reste, vous sera donné. Moi, c'est à l'ambéli pour la prophète et Sili. Abi, bon, et ça, la menana kara nengo lobi. Mais c'était une femme païenne, pas juive. Le Seigneur ne pouvait pas envoyer son prophète vers une femme qui n'est pas croyante. Il a envoyé son serviteur vers une femme croyante. Et cette femme est croyante, elle a cru ce qui était resté. Alors pendant toute la nuit, cette femme faisait la prière. La prière des 100 pas. Azo otambo landa ko mbazo le la zo bonde la nzambe na tongo mwana ko kufa. Soko do leka ko esili. Ba, Dieu a ordonné. Un roi 17, Elie a dit. A outi ko modir kuna mbule ko beta te ba kab na ba tuna. Comprends? Et tant voyez, bah mon pas, c'est oui, tigala kwana salana nunga. Honorer d'abord l'ainsi dit l'Éternel de la bouche d'un prophète. Vous comprenez? Honorer d'abord nga. Yelanga ma yé, salelanga bi me etika yakanango. Il y a que peu de la farine dans le pot, un peu de l'huile dans la cruche. Feu du gâteau amène d'abord pour moi. A salipé, aïna. Remarquez, quand elle faisait ça, elle a pris deux morceaux de bois. Quand on met ça ensemble, c'est quoi? C'est la croix de Jésus. Ça, immanquablement, Zamba Gokita. Si vous vous abandonnez à la croix, vous vous humiliez à la parole, parce que le sang du Christ n'est pas le sang qui s'était coulé en vain. C'était pour toi, pour moi, que nous puissions être capables de demander et de recevoir, de vivre une vie d'amour, de s'entraider les uns les autres. Et la femme a donné au prophète, en retournant, atta la criche boue, boum, plein, atta la peau, plein. Chaque fois, bah, on lia, assassie, à l'air, donc, bah, retourne là, en fait. Et si l'ignos, na tongo, plein, ti mou kolelia, le bah, ki warandimai, ki mou le bêta. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Nous allons continuer le dimanche prochain. Refusez de céder votre droit d'aînesse. On a déjà fait ça. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être, on sait. Répandons-nous, dit Seigneur, pardonne-moi. Entre dans ta chambre, pleure. Ce sont des choses que nous devons faire des jeûnes, c'est ça, Oyonde. Ce n'est pas aller faire des jeûnes pour chercher à devenir grand ou posséder des histoires de ces montées. Bah, ma cambouana so yo zan invité aux arrêtés. Donc, yo le gros en vie, ça veut dire que vous en avez. Yaka, tika, yon diable la yaka, a bingyo yaka, pesanga droit de nes na yo yo soa, oyo, comme akab. Tant wa lingo sa a église et sa liango, c'est ce que les églises font aujourd'hui. Venez, assis-toi ici, on va faire ça, ça, on va entrer ici parler de ça et vous aurez ça. Que le Seigneur vous bénisse, restez dans la paix du Seigneur. Nous vous aimons beaucoup, que le Seigneur nous garde dans sa miséricorde et qu'il nous comble et qu'il nous parle de ces choses d'une manière encore plus profonde que de la manière que nous l'avons dit ici. Parce qu'il nous a été dit, c'est lui, l'Esprit, Christ, le Saint-Esprit qui intercède en faveur de nous par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26 à 27. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Shalom. Bon dimanche chez vous. Bye bye. Ciao.